Eh bien salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Il y a pas mal de gens qui pensent qu'en fait ils vont travailler toute leur vie et ils vont voyager pendant leur retraite. Alors oui, tu vas pouvoir voyager pendant ta retraite. Sauf que ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, et ça faut vraiment le comprendre, c'est qu'en fait tu voyages pas du tout de la même façon. C'est-à-dire que tu vas voyager d'hôtel en hôtel, de tout inclus en tout inclus, mais tu vas pas vraiment sentir le truc au niveau des sentiers battus. Tu sais pourquoi? Parce que concrètement, je vais te le montrer. Parce qu'à l'heure actuelle, je viens de voir une plage, enfin je viens de voir une rivière paradisiaque. Le problème c'est que c'est extrême quoi, au niveau de l'accès. C'est extrême au niveau de la rando. C'est extrême au niveau des appuis. Tu fais un faux pas et en fait t'es mort en fait dans la réalité. Et ce que je suis en train de dire par là, c'est qu'en fait, pourquoi tu attends de voyager alors que tu pourrais voyager maintenant? Tu pourrais voyager en retraite. Tu peux faire en sorte de pouvoir partir en PVT, partir en humanitaire, partir tout simplement dans le cadre d'une expérience à l'étranger pour améliorer ton anglais. Tu n'as pas à attendre 40, 65 ans pour voyager. Car tout ce que je suis en train de faire actuellement, tu peux pas le faire quand tu es en retraite parce que tu as de l'arthrose, parce que tu es beaucoup plus âgé, parce que tu as beaucoup plus peur. Et ça, je t'invite à le faire maintenant. Fais-le maintenant car dans 20 ans, ce sera trop tard. Ce sera trop tard de franchir les sentiers battus, de marcher à l'extrême, de dormir à l'arrache, de sentir le truc au final en sac à dos, de vraiment voyager et pas uniquement se cantonner aux hôtels. Si tu hésites à partir, c'est normal parce qu'il faut franchir le cap. Tu franchis un premier cap. Une fois que tu as franchi ce cap là, ce sera bon, tu pourras partir et tu pourras repartir. Tu vas te rendre compte qu'en fait voyager c'est ultra simple. Mais attends pas plus tard, fais-le maintenant. Car en fait, au niveau des sentiers battus, tu pourras pas vivre vraiment ton voyage comme je suis en train de le faire et alors je te parle en train d'escalader les montagnes. C'est ça la vraie vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a ouvert les yeux. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et surtout à réagir en fin de vidéo. Moi je vous retrouve à très très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Et vraiment, si tu hésites, va au bout des choses. Vraiment, va au bout des choses. Allez, salut les amis. Let's go home.